Oui, parce qu'il y a des émissions où on applaudit comme ça tout le temps parce qu'on est obligé, mais là on applaudit vraiment parce que c'est le cœur, parce qu'on a vraiment plaisir à être avec vous. Et on peut véritablement rêver du jour où on ferait une émission avec vous deux ensemble, en allant peut-être sur les lieux de la jeunesse de Georges Moustaki, et puis en retournant du côté de la rue Saint-Séverin avec Wada. Ça va, ça va. Alors l'un ensemble, vous nous ravissez en vous parlant dans cette belle langue arabe, mais je propose que pour la première fois à la télévision française, pour la première fois, vous chantiez ensemble, en français, pour nous. Et je crois que c'est vraiment une première, puisqu'il s'agit d'une chanson immortelle, Les Feuilles Mortes de Cosma et Prévert, que Warda et Georges Moustaki vont chanter pour nous. Georges Moustaki va accompagner Warda. Et Warda, là, je peux vous dire que là, elle a le trac. Là, elle a le trac, car elle va chanter pour vous, pour la première fois, une grande chanson française pour le public de l'Empire. Et Sans filet, accompagné par Georges Moustaki. Les Feuilles Mortes. Alors là, j'ai vraiment peur, hein. Aidez-moi. Oh, je voudrais, tant que tu te souviennes, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais et je t'aimais. Oui, mais la vie, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable le pas des amants désunis. Chantez avec moi, la 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 la.
Pendant qu'on va retirer cette chaise, je voudrais juste vous dire que je suis particulièrement heureux d'être avec nos deux amis en cet instant-là. Vous vous êtes levés spontanément. Vous êtes levés spontanément parce que il y a eu entre nous tous, à cet instant, je crois, un vrai moment de grâce. Un moment qui résume tout ce pourquoi nous sommes là ce soir, tout ce qu'est l'idée du Ramadan, tout ce que notre présence à nous tous ensemble ici. Un grand artiste né en Égypte, une grande artiste née à Paris. Elle a fait toute sa carrière en apportant dans le monde entier le florilège de la musique arabe. Il a fait toute sa carrière en apportant en France une inspiration qui était la sienne, mais qui évidemment portait quelque part l'influence aussi de ses inclinations et peut-être de sa terre natale. Et ils ont chanté ce soir en France, en français, mais ils auraient pu chanter ailleurs, en arabe. J'étais fier, comme vous tous, que ça se passe ce soir, ici. Merci à vous tous. À tout à l'heure.